والذل والندم أستغفر الله ستر العيوب على أهل العيوب ومنجيهم من النقم أستغفر الله مما قد جنت يدي من الخطايا وما قدمت بالقدم أستغفر الله ما لح الصباح وما تغنت الطير أستغفر الله منجي المستجير به إذا ألم به ضرا من الألم أستغفر الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين. أما بعد، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc on continue encore une vidéo et plusieurs inchallah ta'ala sur le bienfait du dhikr. On a besoin de faire du dhikr non seulement pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, pour qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos péchés, pour renforcer notre halo lumineux et aussi pour inchallah ta'ala concrétiser nos projets afin qu'Allah Azza wa Jal nous aide dans ce que nous voulons entreprendre. Donc ici on va regarder une vidéo, sincèrement je ne l'ai pas vue, on va la regarder ensemble. C'est mon expérience avec, ou son expérience avec Al-Istighfar. Bismillah, Al-Istighfar c'est le fait de dire Astaghfirullah, donc de demander à Allah de vous pardonner tout simplement. أسأل الله أن الله يغفر له ويحفظه إن شاء الله. قال لي عن تجربة هو سواها. Donc il dit j'ai un ami, qu'Allah lui pardonne, m'a parlé d'une expérience qu'il a fait. وبيقين أنه سوى هذا الشيء. Il dit c'est sûr et certain, avec certitude qu'il a fait cette expérience là. عن فضل الاستغفار. Sur les bienfaits de l'istighfar. سبحان الله. قال لي يا محمد والله العظيم لما لمزمت الاستغفار انحلت عندي اشياء كثير. رجي بار الله محمد يسمى محمد depuis je me suis accroché à faire l'istighfar ma vie il y a beaucoup de choses des nœuds qui ont été défaits d'accord beaucoup de portes qui se sont ouvertes. وجت لي اشياء يقول لي هذا صاحبي هذا يقول كان فهذاك اليوم قل في حال لا يرثى لها قل حتى الفلوس ما معي. Donc ce compagnon raconte qu'un jour il était dans un état qui n'est pas enviable et ce jour-là il n'avait pas d'argent. يقول ثاني شيء يقول كان المشكلة بيني وبين واحد. En plus il avait un problème avec quelqu'un. طالت هذه المشكلة. يقولوا لي اسمع كلام شيخ تكلم عن الاستغفار إلى آخره. يقول والله من هذه كل لحظة نزلت الاستغفار يقول لمدة 3 أيام يقول أول ما أصحى من النوم يقول طول اليوم يستغفر. Donc il explique qu'il a entendu le cheikh parler du bienfait de l'istighfar. Il a dit que pendant 3 jours, depuis ce jour-là, il n'a pas arrêté de faire l'istighfar pendant 3 jours, sans s'arrêter, dès qu'il pouvait faire l'istighfar, bien sûr. يقول وصلت 3 أيام يقول والله ما أبالغ عليك محمد يمكن وصلت 70,000 Donc il dit j'abuse pas avec toi Mohamed, donc lui. Et il lui dit j'ai dû faire peut-être combien il dit 70,000 istighfar. Je pense que normalement tu l'as fait en 3 jours facilement. Pas facilement mais tu l'as fait. يقول الشيء المهم النية واليقين بالله أن الله بيستجيب دعائك. Mais ce qui est important c'est pas la quantité là, c'est ce qui est important c'est l'intention et la certitude qu'Allah عز وجل إن شاء الله va accepter tes doigts. يقول أنا بس إني استغفرت بس سبحان الله. يقول بعد 3 يوم والله ما أملك ولا ريال. يقول والله يا محمد جاني واحد أعطاني فلوس. يقول تذكر اليوم هذاك إلى آخر. يقول بعد 3 يوم يقول جاني هذا الشخص وأعطاني فلوس.
يقول أنا كنت محتاج هذه الفلوس. يقول الشيء الثاني. J'ai après trois jours, il y a quelqu'un qui peut-être à mon avis connaissait, qui est venu comme ça, lui a donné de l'argent après ces trois jours, une fois qu'il a fait cet istighfar, il dit en plus il avait besoin de cet argent-là. Et la seconde chose, c'est que ces choses qui se sont passées, ces changements, se sont faits juste la journée après les trois jours. Donc tout de suite en fait. يقول في اليوم نفسه يقول دق علي هذا الرجل اللي أنا كنت مسوي معه مشكلة أو هو مسوي معه مشكلة بالأصح يقول دق يعتذر أنا آسف إلى آخر يقول والله هذه المشكلة طالت. Le problème qu'il avait avec quelqu'un, donc sûrement lié à l'argent, ben subhanallah, cette personne-là après trois jours elle est venue chez lui, elle a tapé à la porte et elle lui a dit voilà c'est bon je m'excuse ainsi de suite. Il est fort probable que c'est lui qui a créé ce problème. Avec ce frère, mais en tout cas, elle est venue s'excuser. Donc, c'est ce problème qu'il a avec quelqu'un qui a dû, ben, qui devait lui causer du souci. Subhanallah, tout de suite, c'est estompé. قال إيش يبغى؟ بعدين راح كلمه إلى آخره علشان الوظيفة. Et ensuite, il y a quelqu'un qui est venu le voir pour un boulot, pour un emploi. تبع قوله أنا كذا يعني صدمت. قال والله يا محمد وأقسم بالله العظيم بفضل الاستغفار. Il dit والله je suis choqué, mais il dit bah par Allah عز وجل ceci, tout ça à cause des conséquences de l'istighfar. Mais en plus c'est coranique. فقلت استغفروا ربكم j'ai dit faites l'istighfar استغفروا ربكم إنه كان غفارا car il est pardonneur يرسل السماء عليكم مدرارا il descendra sur vous la pluie abondant avec abondance ويمددكم بأموال وبنين et il vous donnera des biens et des enfants البنين ça indique enfants on va dire, qui prend les responsabilités, qui travaille, qui à l'époque, qui faisait des batailles, ainsi de suite. Donc l'enfant dont avaient besoin les familles. Et à l'époque, la pluie, c'était ce qui allait faire pousser les fruits, les légumes, ainsi de suite. C'était très important. C'était l'équivalent aujourd'hui des biens dont nous avons besoin. Alors, ça, c'est coranique, tout de suite. Faites l'istighfar. Et tout de suite, c'est quoi la conséquence? Le ciel vous enverra sa baraka, ses bénédictions par la puissance d'Allah Azzawajal. Les baraka d'Allah Azzawajal, bien sûr. Il dit, il y a des problèmes qui se sont résolus. Il dit, pensez même pas bah, qu'il y avait une solution à ces problèmes-là. Et c'est toujours comme ça. Vous êtes dans des fois dans des problèmes, vous dites c'est impossible, ça ne peut pas se résoudre. Et ben des fois tu te remets à Allah Azzawajal, ça se résout, des fois ça met un peu de temps. Mais quand tu comptes sur Allah Azzawajal, ça finit toujours par se résoudre, bi-idhnillah. Par contre, si tu es dans le péché, tu es dans l'entêtement du fait de ne pas solliciter Allah Azzawajal, ben ça peut mettre du temps, ça peut se compliquer, ça peut être. Tu t'enfonces. Tu t'enfonces. C'est comme quelqu'un qui est dans un sable mouvant et qui a quelqu'un à côté qui peut l'aider, il ne veut pas solliciter son aide. Ben, qu'est-ce qu'il va faire et ben, il essaie de s'en sortir. Mais en fait, en essayant de faire plein de mouvements comme ça, ben, il continue à s'enfoncer. Voilà, il dit cette personne n'a pas dit quelque chose de nouveau. Il est venu confirmer uniquement ce qu'il y a dans le Coran, comme je vous ai dit, sur la parole de Noé. Je leur ai dit de faire donc al-istighfar, car Allah est pardonneur. Donc voilà, il l'enverra. Il fera descendre sur vous l'eau du ciel avec abondance. Il vous donnera des biens et des enfants. Il vous donnera, c'est pas fini, des jardins
et vous donnera des rivières de l'eau. Subhanallah. والله يوم قال لي بهذه القصة استأذنت منه عشان أقول لكم تستفيدوا. Donc il a demandé l'autorisation de son ami pour raconter cette histoire-là. اللي يتابع هذا المقطع اللي عنده مشاكل اللي عنده ديون اللي يعني متعثر الحياة عنده الزم الاستغفار. Il dit, ceux qui m'écoutent, qui a des problèmes, qui a des dettes, qui a des... il s'en sort plus, fait al-istighfar. Il y a des choses qui vont te parvenir, tu ne sais même pas d'où ça viendra. Alaykoum salam wa rahmatullah. Franchement, vidéo très intéressante. Et je pense que vous pourrez confirmer dans les commentaires que ben, vous arrivez. Et vous êtes arrivé de telles expériences. Si vous avez vous aussi fait les sirfar et qu'Allah a solutionné vos problèmes, dites-le, racontez dans le commentaire pour vous encourager les uns les autres. Comme dit dans le Coran, dit watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, ils s'enseignent mutuellement la vérité et la patience. En espérant que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas, un j'aime, un partage, n'hésitez pas à réagir dans le commentaire. Et salam à tous. Ne vous inquiétez pas, l'introduction sera bientôt de retour, bi'idnillah. Salam à tous. استغفر الله سترى